Bonjour, aujourd'hui c'est le tutoriel numéro 3. On va voir comment on va transférer les éléments d'un fichier vers un tableau, traitement sur les éléments dans le tableau et après le transférer les éléments de tableau vers le fichier. Donc, on a le rappel صغير à l'année. Le mara fait, شفنا في le tutoriel numéro 1, شفنا le remplissage ou l'affichage d'un fichier d'enregistrement. Deuxième tutoriel, شفنا remplissage de fichier d'enregistrement ou construction de fichier texte ou l'affichage à partir d'un fichier d'enregistrement. Aujourd'hui, on va voir le passage des éléments de fichier d'enregistrement, le tableau qui va voir lancer l'année. On a écrit un programme Pascal tutoriel 3 qui permet de remplir un fichier dont le nom physique entier.date par un entier. Donc le fichier est fait l'année, fait 10 entiers. Le fichier des enregistrements fait 10 entiers. Avec n compris entre 4 et 30 plutôt, c'est pas 3. Donc n 4 et 30. Donc inverser le fichier en utilisant un tableau et afficher le contenu de fichier. Donc je n'en ai l'année. On a un fichier qui s'appelle entier.date. Je m'en ai un fichier texte ou la mauvaise fichier texte. Tant que l'extension est au point date ou fichier des entiers, donc c'est pas un fichier texte, donc c'est un fichier ETP. Fichier ETP, ma fiche des enregistrements, fausto des entiers. Mais après, je vais inverser le fichier en utilisant un tableau. On va pas transférer les éléments du fichier vers le tableau. Nous avons inversement t'as les éléments du tableau, c'est-à-dire inverser le tableau. On va rajouter le tableau du fichier. On va l'afficher le fichier. Donc on va faire tout ça ensemble en Turbo Pascal. Donc programme tutoriel 3. Uses ou insert. Donc qui m'a l'aide les nouveaux types, je nous m'aide comme nouveau type l'année. Donc on a le fichier, on a le tableau, d'accord, allez. Je nous mets les structures de données, les adnes, les adnes, fichier ou tableau. Le fichier, donc je nous mets donc ça met au entier égal file of, je nous fasse le fichier, fasse des entiers of intégrer au tableau tab, fasse des entiers array bon inf bon sup. Je pose au tableau aussi vous avez des entiers. Bad les nouveaux types de l'année, on va déclarer les objets globaux. Donc n ça représente la taille de fichier ou bien la taille de tableau de type intègre. Intègre ou le f non logique d'un fichier de type schneier, du type entier. Dis-moi le hâteau l'année, faites les nouveaux types, ça représente le type de fichier. Donc au début on va comme d'habitude la procédure remplir le fichier. Donc var f de type entier ou var n la taille de type intègre, var begin and converge. Ok. Donc, on va saisir la taille comme d'habitude de fichier, de taille n. Donc, write ln n égale read ln n. Int, la condition c'est quoi? N compris dans l'intervalle 3.30.
Après, on va remplir le fichier par des entiers. Donc, for i de point égal à 1, de point égal 1, to n do, begin, début de boucle for, la fin de boucle for. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Pour chaque itération, on va écrire un entier dans le fichier. Donc, on va demander un entier qu'on va l'appeler p, p égal, ou bien donner un entier, c'est mieux, donner un entier. Après, readLen cet entier qu'on va l'appeler readLen, qu'on va l'appeler p, on a dit, d'accord. Après, on va écrire cet entier dans le fichier, donc avec le write f, p. Donc, on n'oublie pas de recréer le fichier f. Ici, c'est rewrite f. On va compiler pour voir si on est normalement. Donc, on a oublié les objets locaux. Ici, c'est on a déclaré le i comme compteur de type intégre. Et le p aussi, c'est de type intégre car le fichier contient des entiers. D'accord, allez. Donc, je vais vous dire, normalement, on va passer. Donc, on a terminé cette procédure. On va la remplir ici jusqu'à maintenant le fichier par des entiers. Après, on va transférer, on a dit, les éléments vers un tableau. Donc, procédure transfert, on va l'appeler transfert. Var f de type entier et le n de type intègre. Donc, var begin et n. Donc, transférer les éléments de fichier vers le tableau. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est ouvrir le fichier reset f. Après, on va parcourir le fichier for i de point égal à 1 to n do begin and c'est la fin de boucle for. Pour chaque itération, qu'est-ce qu'on va faire? On va parcourir le fichier de première ligne du fichier hatta l'autre ligne du fichier. Donc la première chose, on a dit qu'on va read la lecture de cet élément f virgule p. Et cette P, on va le mettre dans le tableau. Comment? T de I, c'est comme ça. De point égal P. C'est clair? Donc, on utilise le boucle for ici car on sait la taille des éléments dans le fichier. C'est clair? Si on ne sait pas, on utilise while not and or file. Donc c'est mieux d'utiliser le boucle while not and or file. Donc while not and or file de f do. Donc begin, début de boucle while, read f p, t de i, le point égal à avec le i, c'est un compteur qui commence par 0. Et pour chaque itération, elle va avancer par une itération. C'est clair? Donc, après, la fin de la boucle while, c'est ici. Si les éléments sont dans le tableau, donc on va inverser les éléments de la tableau. C'est une procédure t virgule. La taille de fichier, c'est quoi ici? Normalement c'est n taille de tableau ou bien i, c'est la même. Donc virgule i, comme ça c'est mieux car i, ça représente la taille de tableau. La dernier élément dans le fichier ici,
Avec I, ça représente la dernière I ici, ça représente la taille de tableau. Donc après qu'on a inversé le tableau, on va remettre les éléments de tableau dans le fichier. On va faire l'inverse maintenant, transférer les éléments de tableau vers le fichier. Donc comment on va le transférer? Donc au début, il faut vider le fichier, c'est-à-dire le recréer, rewrite, F. Après, on va parcourir le tableau for j de point égal à 1 taux i d'autres. I, ça représente la taille du tableau, on a dit. Et après, qu'est-ce qu'on va faire pour chaque itération? On va écrire dans le fichier write f virgule t de j. C'est clair? Pour chaque itération, on va écrire l'élément. Si j égale à 1, on va écrire t de 1. J égale à 2, on va écrire t de 2. Jusqu'à la fin, le dernier élément dans le tableau qui est i. C'est clair? Normalement, tout est bien. Donc, il nous reste maintenant de écrire une procédure, inverser le tableau. Il faut l'écrire avant cette procédure. Procédure inversée. Donc, var t de point tab et la taille qui est n de point intégral. Donc var begin and, ça c'est une procédure inversée. Donc vous savez comment inverser un tableau, parcourir le tableau de premier élément jusqu'à le milieu de tableau. Et pour chaque dans chaque itération, on va permettre deux éléments, le t de i et le t de n moins i plus 1. Bon, on va prendre une variable intermédiaire qu'on appelle intermédiaire de point égal à t de. Donc on va faire le boucle for plutôt for un compteur i de point égal à 1 taux n div 2 do. Donc intermédiaire, donc le begin, n'oubliez pas le début de boucle for et la fin de boucle for. Donc intermédiaire reçoit t de i, mais non, le t de i on a le transféré dans l'intermédiaire, donc t de i vide, mais non, t de i c'est pas vide exactement, mais t de i de point égal à t de n moins i plus 1. De t de n moins i plus 1 reçoit l'intermédiaire. Non, on va compiler maintenant. Normalement, on a oublié les objets locaux. Donc on a utilisé ici l'inter, variable intermédiaire, et le i, compteur sont du type intégral. Ici on a oublié aussi les objets locaux dans le procédure transfert. On a utilisé le i et le j sont deux compteurs de type intégral. Le p aussi, l'élément qu'on va lire dans le fichier, sont tous de type intégral. Et le t de type normalement tout est bien. Donc le i, donc on oublie un point virgule ici, normalement c'est bon. Il nous reste le procédure affichage maintenant. Procédure affichage, on va afficher le fichier, donc var f de type entier point virgule n de type n, ou bien c'est pas la peine, donc le n on va parcourir par le boucle while. Donc var le p, l'élément qu'on va le lire, et begin un point virgule, donc while not
Stand of file de F. Begin and donc ici while do, n'oubliez pas. Donc la première chose qu'on va le faire, c'est d'ouvrir le fichier en mode lecture, reset. Donc reset F. Donc read F virgule l'élément P et on va afficher l'élément println P point virgule. Normalement tout est bien. Donc il me reste le programme principal maintenant, begin and point. Donc la première chose qu'on va faire, c'est l'association du fichier assign F virgule le nom physique, mais non, c'est deux points pack 2015 entier point date. Après, procédure remplir et le F et le N transfert le F et le N aussi, je crois, c'est tout. Après, c'est l'affichage F, c'est tout. Bon. On va vérifier l'affichage F, c'est tout. F et N le transfert et remplir F et N. Donc ici le procédure inversé, on a fait l'appel de cette procédure dans le procédure transfert. Voilà, c'est pas la peine de l'appeler, ou bien on n'a pas besoin de l'appeler dans le programme principal. Donc on va vérifier la compilation, normalement tout est bien. On va l'exécuter, on va vérifier s'il va faire. Donc on va prendre un fichier de taille 4, 14, premier élément, 15, 70, 45. Est-ce qu'il va faire l'inverse? Donc voilà, 45, 70, 15 et 10. Il a fait l'inverse. On a vérifié par une autre, on va vérifier par une autre exécution de taille paire, taille 6 par exemple. 78, 15, 10, 12, 25 et 1025. Donc elle va commencer par 1025, 25, 12, 10, 15 et 78. Donc tout va bien. Donc merci pour votre attention. Si عندكم problème ou elle a un مشكل تحبوا نبعث لكم زيادة correction تنجموا تطلبوني تبعثوا لي ايميل تطلبوني par téléphone تبعثوا لي ايميل نجم نراجع لكم نبعث لكم الكوريكسيون نبعث لكم لي زونسي. عندكم اي مشكل في التيك في الجو نجم نحلها لكم. En tout cas merci pour votre attention.